L'ange numéro 42, Michaël. Il régit du 19 au 23 octobre. Il est l'ange de l'ordre politique. Son énergie nous aide à développer l'organisation, la planification et le leadership. Il nous fait comprendre l'importance d'un gouvernement juste, éthique et lucide pour orienter nos décisions avec justesse. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Ordre politique. Instaure sur la terre les lois du ciel. Sens de l'organisation sociale et spirituelle. Structure le succès et l'expansion. Planification sage et prévoyante. Aide à comprendre l'adversité. Connaissance du bien et du mal. Procure la lucidité et la vision globale. Démasque les traîtres. Permet de découvrir les secrets, les mystères. Autorité naturelle, obéissance, fidélité. Président, chef, responsable. Ministre, ambassadeur, consul. Enseignant. Sécurité et protection lors de voyages. Protège contre les accidents. Succès dans les relations extérieures. Instruit et enseigne pendant la nuit. Instaure le pouvoir absolu de l'esprit. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Problèmes politiques et sociaux. Désordre, difficultés sur le plan organisationnel, abus de pouvoir ou incapacité à décider et à être un bon dirigeant, difficultés à prévoir et à planifier avec sagesse. Se perd dans les détails, dans les aspects techniques. Envie, jalousie, trahison. Mauvais enseignement ou leader ne donne pas le bon exemple. Complexe de supériorité et d'infériorité. Système démocratique qui légalise l'expression des bas instincts. Double jeu.
gouvernement corrompu. Profère des paroles qui ne correspondent pas à la pensée divine. Trahison des idéaux, propagateur de fausses nouvelles, mensonges, calomnies, diffamations, conspirations, traîtrises, accidents. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Accident, ambassadeur, éducation, enseignant, enseigné, instruction, loi, respect des, ordre en général, politique, voyage, protection lors des voyages, des déplacements. Douce pensée angélique.